l'intro du thèse. Putain. Eh oui. Je le sais. C'est du feeling, ça. Faut vraiment essayer de trouver un setup pour extra. Vraiment. Ça devient urgent. Les niveaux prioritaires, c'est 24, extra 1 et extra 6. 24 parce qu'il y a beaucoup de temps à gagner. Et extra 1, extra 6 pour être safe. Yeah! Ouf, tout en rentrant. C'est approximatif. Ça passe, j'ai bien freiné au bon moment. Parce que j'étais loin. Et le repère visuel, c'est quand la porte se déplie à l'horizontale. Ouais, c'est bien passé. Non, non, non. Yeah. On peut être une seconde plus rapide, mais... Mais est-ce que j'en suis là? Ok. Ok, c'est le boss buff. Ça faisait longtemps. J'ai pas eu à faire le plus de fond. Bon. Allez, ça passe. Cool. Il faut y croire. Faut que ça se passe. Ainsi. C'est bon. Ok. Yeah. Oh là 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 là. Oh, ça fait tellement plaisir. Putain. Franchement, ça fait tellement plaisir. L'entraînement qui paye, les pouces buffers qui payent. Thank you.
si je perds encore cette run à cause de extra 1, j'arrête tout. Pour me consacrer à 3 pouces buffer pour extra 1. Parce que. C'est juste pas possible de perdre ces runs pour ça. Du chaud là. Mon doigt n'était pas très réactif. Oh parfait. Et quand c'est parfait, bah ça fait 6,45. Bon, voilà. Voilà. Putain. Non, j'en ai marre. Je m'y prends mal en plus, je le sais. Il faut reculer pour prendre de la vitesse. Je continue cette run parce qu'elle est vraiment super. Et ça peut quand même faire pibi, croyez-le ou non. Non mais ça sert à rien. Hein. Voilà, il faut prendre de la vitesse. Si t'as pas de vitesse, tu peux pas passer la porte. Bien avec tour de je sais plus. Bah, des fois ça marche mais en se collant de passer mais je comprends pas comment. Allez vas-y ouais, pas de rebond chiant, on ralentit et on passe tranquillement, on va voir ce que ça donne. Je vais foncer jusqu'au bout, m'en fous, et je vais voir si même avec cette erreur je peux piller. Elle a l'effet d'un suppositoire, mais on est toujours vivant, alors même après ça. Ok. Là on prend son temps pour pas tomber dans le trou du milieu. Et c'est là que c'est important. C'est là que c'est important. Voilà. Cool. On va se concentrer. Je fais pas confiance au 06. Il m'a déjà détruit une petite piste. On n'est pas content parce que c'est là. Pour faire super gaffe. Oui! Avec un start-start, s'il vous plaît. It's going on. C'est strat. Oui! Voilà. Yes, je l'ai. Menta, je te bats. Sur celui-là, je te bats.
te bats. Bim. Yes. Égalité avec lui. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est vrai, non, t'as été perdu. Putain de grosse erreur. Mais ouais, il y a une seule erreur dans cette. Et c'est cette mort à extra 1. Et c'est quand même Pibi. Ce qui veut dire deux choses. Petit 1. Les strats ont payé. Les strats bossés ont payé. Les postes de fer ont bossé, ont payé. Ils font gagner masse de temps. Et sans eux, j'aurais pas Pibi. Ouais, Pibi, Pibi. Et deuxième chose. J'avais raison pour extra 1. Il faut trouver une strat d'urgence. Parce que c'est pas possible de perdre Pibi Pace à 75% de la run sur cette porte de merde. Voilà. Sinon ça va très bien. Première place. Donc objectif de la soirée rempli, j'ai fait 10-27. Mais attends, non. Qu'est-ce que je raconte? Je suis premier du coup. Mais quel couillon, j'ai oublié. Le record de Manta, c'est 10-28. Et je viens de faire un putain de 10-27. C'est la première place, stricte.